Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 3 octobre, direction Compiègne pour le prix de Beaune. 3600 mètres, 18 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi. Ah, il y a eu un trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Super Quartz, Super Quartz. Et on écoute Madame Manon Scandella Lacaille. Je n'ai pas beaucoup de choix de course pour sa rentrée. Dans cette catégorie, Super Quartz doit porter du poids. Maintenant, il a assez de travail pour pouvoir effectuer une bonne rentrée, mais doit porter du poids. Bon, j'espère qu'il pourra accrocher une petite place avant d'aller pourquoi pas sur le steeple, une discipline qu'il apprécie. Ok, ça marche, merci madame Manon. En tout cas, ce numéro 1, moi, il me plaît bien malgré le poids. Je pense que malgré tout ça, hein, malgré ce fardeau, il peut quand même bien s'en tirer. Moi, je l'ai mis sixième. On passe au numéro 2, Saint-Louis Blues, et on écoute Adrien Pajot. Alors, j'ai été satisfait hein, de sa rentrée à cran car Saint-Louis Blues n'avait pas énormément de travail. Il a eu un petit problème après cette course. Du coup, il a été arrêté 15 jours et n'a pas retravaillé. Dès lors, cela va être à nouveau comme une rentrée. Hein. Il peut manquer de ça, mais à la base, c'était un engagement favorable. Eh oui, mais là, ça change un peu d'après son commentaire. Mais sur sa classe, attention, il peut quand même faire très mal. Moi, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 3. Comment il s'appelle celui-là? C'est Alentejo et on écoute Guillaume Macaire. Cela fait deux fois qu'il ne court pas bien à Auteuil. En dernier lieu, Alentejo était très crispé hein, sur ses obstacles et n'a pas trop respiré. Je change d'hippodrome hein, et j'ai modifié des choses le matin. Cela peut peut-être porter ses fruits. Il a quand même montré beaucoup mieux en compétition hein, lors de ses bonnes performances. Ok, c'est bien noté, Guillaume Macaire, merci. En tout cas, ce numéro 3, lui aussi, je lui vois une bonne chance. Moi, je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 4, c'est Javelot et on écoute Mademoiselle Giadomenato. On a acheté Javelot cet été et on le court en haie hein, pour un peu le changer de ses habitudes. Hein. Javelot a bien travaillé, donc à voir. Ouais, à voir. En attendant, hein, le temps que vous voyez, moi, ce numéro 4, eh bien, je ne l'ai pas retenu. On enchaîne avec le numéro 5, le Roi David, et on écoute Michael Serra. Après s'être reposé cet été, le Roi David vient d'effectuer une excellente rentrée. Le fait de se retrouver à Compiègne ne m'inquiète pas, car lors de sa dernière sortie sur ce tracé, il avait joué de malchance en éjectant son jockey en fin de parcours, et sans cela, il aurait lutté, pour le succès. À cette valeur, il n'a pas beaucoup de marge, mais sans incident, il ne devrait pas sortir des 5 premiers. Il ne devrait pas sortir des 5 premiers. En tout cas, moi, ce numéro 5, j'y crois dur comme fer. Je pense même qu'il peut remporter ce quintet. Je l'ai gardé, bien sûr, très haut. Hein. Je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 6. C'est Gurzuf. Hein, et on écoute Noël Georges. Ben, Gurzuf, il fait très bien Auteuil. Bon, là, je suis obligé de le courir à Compiègne car j'ai pas d'autre choix. J'espère qu'il se montrera aussi à l'aise sur cette hippodrome. Pardon, sur cet hippodrome, si tel est le cas, il a une première chance. Ouais, bah, on est tous d'accord pour dire qu'il a une première chance, ce numéro 6. Hein. En tout cas, pour ma part, c'est mon préféré. Et bien sûr, je l'ai installé en tête. On passe au numéro 7, Johnny Rock. Et on écoute Mademoiselle Danielle Hamel. Bah, Johnny Rock, il est bien. Hein, il est prêt à faire une bonne rentrée. Bon, mes pensionnaires sont loin d'être à 100% hein, lors de leur rentrée, mais bon, je me rends compte qu'ils sont quand même assez prêts pour aller chercher un chèque. Je pense qu'il aura son mot à dire. Ok, ça marche. Bon, moi en attendant, j'en ai préféré d'autres, hein, c'est le numéro 7, donc hein, je ne le retiens pas. On passe au numéro 8, joue contre joue, et on écoute Hugo Merienne. Joue contre joue est une jument qui monte en condition au fil de ses sorties, et pour ses rentrées, elle manque toujours un peu. Alors certes, elle ne sera pas à 100%, mais avec un bon parcours, elle essaiera d'accrocher une petite place. Je n'ai pas trop le choix de course pour une reprise. Hein. Ensuite, on devrait la revoir sur le steeple où elle découvrira un bel engagement à la fin du mois.
Eh bien, moi, ce numéro 8, pour bah, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Hein, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 9, You For Me. On écoute Gabriel Linders. You For Me a déjà bien couru dans les handicaps pour 5 ans en début de saison. Je suis un peu embêté de le voir effectuer sa rentrée dans cette catégorie, mais je n'ai pas trop le choix des engagements avec lui. Mais physiquement, il me paraît en bonne condition le matin. Ok, c'est noté, merci. Pareil, ce numéro 9, lui aussi, hein, je ne l'ai pas retenu. Par contre, je l'ai pas rayé celui-là, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 10, Rentrée de Grimm, et on écoute Hugo Merienne. J'ai été satisfait de la course de Rentrée de Grimm. Cette tentative lui a permis de peaufiner sa condition et arrive sur son premier handicap au mieux. À cette valeur, je tente l'aventure dans cette catégorie où je la crois capable de bien faire. Il faudra bénéficier d'un bon déroulement de course, et si c'est le cas, hein, il faudra compter avec elle. Ben moi j'y crois, ce numéro 10, hein, je pense qu'elle peut grappiller un petit quelque chose, en tout cas moi je l'ai gardé en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 11, Dream Messenger, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Jean-Philippe Dubois hein, qui est parti pêcher, pas tout seul, hein, il est parti rejoindre le gros bateau de Captain Ian Barbro. Captain Ian Barbro, bref, amusez-vous bien tous les deux. Ce numéro 11, lui aussi je l'ai retenu, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 12, Isle of Bamboo, et on écoute David Cotin. Bah après de nombreux accessits acquis en haie comme en steeple, Isle of Bamboo méritait de renouer avec le succès. Hein. Cette fois, on se retrouve dans un quintet avec une surcharge et on ne profitera pas de la décharge de son apprenti. Dès lors, bah, les choses se compliquent. Hein. Mais, et je dis bien mais, comme sa forme est toujours excellente, je conseille de ne pas l'écarter pour les places. Vous entendez ce que dit David Cotin? On va pas l'écarter trop vite, mais en même temps, faut bien faire un choix. On peut pas retenir les 18. Hein. Ah, t'as déjà essayé de mettre un 18 chevaux en combiné sur ton ticket, mon copain, ça fait mal. À la rigueur, en champ réduit, mais. Enfin bref, ce numéro 12, du coup, je ne l'ai pas retenu. Par contre, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 13, Castle Anne, et on écoute Gabriel Linders. Castle Anne, bah, c'est une jument de qualité. Hein. Avec elle aussi, je n'ai pas le choix des engagements et j'aurais préféré la présenter dans une autre course hein, que dans un quintet plus. Toutefois, elle est bien le matin et peut se placer ici. Ok, merci, quelle nonchalance, Gabriel. En tout cas, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu non plus. Et lui, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Et d'ailleurs, on clôture ainsi cette liste. On passe au numéro 14, Happy Harry. On écoute Michael Serra. Happy Harry est un cheval sympa qui fait toutes ses courses maintenant. Pardon, il y avait un point. Qui fait toutes ses courses. Point. Maintenant, il n'a pas trop de marge de manœuvre. Il se place mais n'arrive pas à gagner. Il a pris de l'expérience et devrait peut-être pouvoir bien faire avec les pistes qui s'assouplissent. Maintenant, difficile de dire qu'il pourra s'imposer, mais une place est encore dans ses cordes, d'autant que sa rentrée lui a été bénéfique. Ok, merci Mickaël Serra. En tout cas, ce numéro 14, pour ma part, fait partie de mes préférés et je l'ai carrément mis troisième. On passe au numéro 15, Just in Time Blue, et on écoute Erwan Graal. Dernièrement, Justin Time Blue, il avait besoin de retrouver le rythme de la compétition et cette sortie lui a été profitable. Là, il est monté en condition, il va se présenter en bonne forme. Je pense que c'est un cheval qui devrait trouver sa voie à ce niveau et je ne serais pas surpris de le voir bien courir. Il a son mot à dire. Bah, il est plutôt chaud, Erwan Graal. Il me fait peur, moi, ce numéro 15. C'est même celui qui me fait le plus peur. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non-partant. Attention possible, cassage en vue. Et on passe au numéro 16, Concerto. Et on écoute Miroslav Rulek. J'ai bien aimé son comportement en dernier lieu où Concerto débutait à Auteuil. Cela dit, il n'a que peu de métier, hein, il doit apprendre. La valeur des chevaux est un peu haute dans cette épreuve. Sa forme est bonne et il aime le terrain souple. Toutefois, je pense que cela lui sera compliqué d'être dans les 5 premiers. Ben merci pour cette franchise, Miroslav Rulek. En tout cas, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 17, Johnny Said, et on écoute Hugo Merienne. Johnny Said est un cheval qui est arrivé assez tard chez moi, il y a 5 ans. Il n'a couru qu'à 3 reprises. Cependant, il n'est pas dénué de qualité, mais il n'a pas beaucoup d'expérience hein, face à des adversaires rompus à ce genre de tournoi. Il me semble en forme et essaiera de bien faire. Une petite place me satisferait. Ok, merci Hugo Merienne. Alors ce numéro 17.
Pour ma part, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. Et on termine avec le 18, Kerida, et on écoute David Cotin. Bah, Kerida, c'est une chic jument qui fait pratiquement toutes ses courses. Dernièrement, à Wargame, elle s'est très bien défendue. Justement, après cette dernière tentative, bah, je l'ai laissée un peu tranquille, hein, raison pour laquelle je l'aligne ici pour peaufiner sa préparation en vue de meilleurs engagements sur de plus longues distances. Néanmoins, je ne serais pas surpris si elle venait à accrocher une place. Ouais, attention quand même, hein, faut pas la rayer trop vite. En tout cas, moi j'ai dû faire un choix, je l'ai pas retenu, mais c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non-partant, attention. Largement sa place dans un champ réduit, ou quelques coups de folie, question de feeling. Le pronostic ça donne 6, 5, 14, 2, 3, As, 10, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.